Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce spécial Africalia. C'est un pari réussi pour la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso. Sur les 400 entreprises invitées, plus de 500 ont répondu présentes pour le 5e forum Africalia qui bat son plein en ce moment à Ouagadougou. La capitale burkinabé est depuis hier le point de convergence des acteurs du développement et du monde économique. Le chef de l'État a présidé l'ouverture officielle du 5e forum ouest-africain des entreprises. Retour sur les temps forts de ce matin avec Nong Bakuda et Moumouni Soubega. 400 chefs d'entreprise annoncés, ce sont 660 participants, dont 508 entreprises, qui ont répondu présents à cette 5e édition du Forum Africalia, le Forum Ouest-Africain de développement des entreprises. Une participation record saluée dès l'ouverture des travaux par la Chambre du commerce du Burkina et le président du FASO. Pour Ockmar Christian Kabore, Africalia est une opportunité d'affaires que le secteur privé doit saisir. Pour le chef de l'État, le Burkina Faso dispose de nombreuses potentialités et le pays mettra tous les moyens nécessaires pour assainir le climat des affaires et favoriser les investissements. Le Burkina Faso entend exploiter tous ses atouts pour contribuer fortement à la renaissance du continent africain, toute chose qui passe par la prise en main par les Africains de leur propre destin. J'interpelle le secteur privé africain pour saisir toutes les opportunités d'affaires offertes par nos États et leurs partenaires privés d'Afrique et d'ailleurs. Je puis vous assurer que le gouvernement a pris toutes les dispositions pour assurer la sécurité des personnes et des biens et travaille à offrir aux opérateurs économiques que vous êtes un environnement des affaires incitatif. D'ores et déjà, j'invite les ministres sollicités à se rendre disponibles pour les investisseurs qui souhaiteraient échanger avec eux sur des questions spécifiques. La représentante du parrain, le président de la commission de l'UOMOA et le représentant du président de Futuralia ont salué les efforts déployés par la Chambre de commerce du Burkina et les autorités pour faire d'Africalia un rendez-vous majeur des affaires. Faire de cette 5e édition un succès, c'est ce que souhaitent les organisateurs du forum. Et au regard de la participation, ils restent convaincus que les défis seront relevés. C'est une édition qui, aujourd'hui, au regard donc des chiffres des entreprises qui sont attendues à Africalia, montre clairement effectivement donc que l'événement va en grandissant. Parce que une moyenne de participation des différentes années passées autour donc de 450, aujourd'hui nous atteignons 600 participants. Donc c'est à l'honneur donc de Africalia. Avec 19 pays, ça bat le record des éditions passées. Et aujourd'hui, si vous regardez, c'est tous les continents pratiquement. Donc ce qui veut dire que les investisseurs ont confiance à la destination de Burkina Faso. Et que ce soit des rencontres fructueuses et comme c'est des rencontres des affaires, que les entrepreneurs puissent nouer de partenariats gagnant-gagnant. Après l'ouverture, le forum se poursuit avec un exposé sur les potentialités d'affaires qu'offre l'espace UOMOA et des rencontres B2B. Et en attendant les recommandations et les conclusions, les organisateurs ont annoncé que Africalia devient désormais tournant. Et c'est la Côte d'Ivoire qui va abriter la 6e édition en 2020. En dehors des rencontres B2B, plusieurs entreprises exposent le produit de leur savoir-faire et c'est à la salle de conférence de Ouaga 2000. Les anciens comme les nouveaux participants apprécient ce cadre de rencontres et d'échanges qu'offre Africalia. Nous sommes ici pour participer à Africalia, venant bien sûr des États-Unis. Notre objectif pour cette participation, c'est d'abord nouer des contacts d'affaires. Et ensuite, voir dans quelle mesure nous pouvons renforcer notre présence ici, non seulement au Burkina et dans la sous-région ouest-africaine. This is my second time to hear, so yes, I'm happy to hear. C'est la deuxième fois que nous venons, et même si le trajet est un peu très long, et les produits que nous amenons, c'est les lecteurs de barcode pour le supermarché Africalia, parce que ici nous pourrons rencontrer des entreprises de l'Afrique de l'Ouest et aussi des acheteurs. We can co-work to help. Nous sommes venus présenter des produits, ce sont des produits à base de caoutchouc, puisque la SAP olympique est spécialisée dans la transformation du caoutchouc. Voilà, donc il y a les pneumatiques qui sont là, et les pneus épichambre à air, et puis il y a les produits à caoutchouc industriels, les articles techniques en caoutchouc.
Donc c'est une occasion de pouvoir échanger avec eux, présenter nos produits et pouvoir avoir d'autres opportunités d'affaires. Africalia, c'est aussi une tribune où se sont succédés plusieurs intervenants du Burkina Faso et des pays invités. Ils ont pu parler, entre autres, de l'expérience des agences de promotion des investissements, du développement des petites et moyennes entreprises et bien sûr du PNDS. Aux jeunes entrepreneurs, le plan national a lancé en 2017 un programme qui s'appelle Programme d'appui d'autonomisation économique des jeunes et des femmes. Donc, un programme bien spécifique qui a financé au moins 11 000 projets, bon, je dirais de tout petits projets. Et en 2018, ce programme, qui est un programme de financement qui s'ajoute aux autres fonds nationaux de financement de l'entrepreneuriat, s'étend en mettant en place une ligne de garantie. Donc on a en tout cas des instruments pour accompagner les entreprises dans la jeunesse et également pour accompagner carrément les PME. Nous sommes en train de travailler à la création d'une banque spécialisée dans le financement donc, des PME-PMI. D'ailleurs, et ensuite, donc, pour lancer les start-up, nous avons déjà, dans le cadre du plan national, pu lancer un projet qui est porté par l'AFP-PME du ministère du Commerce, un incubateur d'entreprises qui a déjà incubé 25 entreprises, mais qui va monter en puissance pour incuber au total 100 entreprises. Nous n'avons pas eu l'opportunité de présenter tous les projets au niveau national du plan Sénégal émergent, mais les femmes et les jeunes sont une priorité pour le chef de l'État parce qu'ils permettront de développer l'économie, parce que c'est des jeunes qui vont développer leur business directement avec les nouvelles technologies. Ils sont au fait des nouvelles technologies qui sont développées, ce qui fait que des structures d'appui sont mises en place au niveau du Sénégal pour les femmes et les jeunes logés au niveau des ministères, au niveau des ministères sectoriels. Et au niveau communautaire également, c'est une couche en fait qui est favorisée par rapport à l'investissement. Maintenant, pour tout ce qui est code des investissements et régime d'incitation, c'est clair que c'est général, mais ces structures d'appui permettent d'accompagner les jeunes investisseurs et les femmes pour pouvoir développer leurs activités via ces régimes d'incitation. Je vais essayer de vous présenter les opportunités d'investissement que nous avons au Niger. Ce qui est important de rappeler, c'est que depuis quelques années, en principe 5 ans, le Niger s'est lancé dans un processus de réforme du climat des affaires, et ce qui lui a valu une avancée très remarquable. Donc, depuis 2013, le Niger a fait un bond de 32 places dans le classement Doing Business au rang mondial. Et parmi les meilleures performances de la sous-région, on peut noter qu'il est 4e dans le groupe des 17 États membres de l'OADA, 4e dans les pays membres de l'UOMOA, 6e dans les 15 économies de la CEDEAO. À la suite de mes collègues qui sont passés, je voudrais très sincèrement remercier le Burkina Faso et la Chambre de commerce du Burkina Faso et son agence de promotion des investissements. Pour quelles raisons ? Parce qu'elle nous a permis et elle vous permet aussi de comprendre que nous ne nous livrons pas de la concurrence entre nous les pays africains. Et au contraire, nous sommes en train de collaborer. Vous avez écouté le Mali, qui a non seulement présenté son pays, mais presque tous les pays ici représentés. Donc comprenez, vous investisseurs, désormais, quand vous installez au Togo, au Burkina Faso, au Mali, au Niger, vous êtes en train de vous installer dans la zone ouest-africaine, avec un code douanier qui est presque unifié aujourd'hui. Donc, je m'en vais vous présenter, vous dire ce qu'ils n'ont pas dit justement et qui concerne le Togo. Je vais relever seulement quelques aspects qui nous sont un peu propres. Et je voudrais commencer justement par la zone franche togolaise. Que nous vous invitons effectivement à faire le pari du Mali. Le pari, c'est 4 lettres. Le P, comme un pionnier, ou comme les pionniers qui ont construit notre pays. Le saviez-vous ? La personne que vous avez là, que vous connaissez certainement, Monsieur Marc Bristoff, qui est aujourd'hui
PDG de la compagnie numéro un au monde dans le domaine minier. Le saviez-vous, il a commencé sa carrière au Mali. Sa première mine a été ouverte au Mali. Et ça, M. Bristov est un pionnier dont l'exemple nous inspire tous et certainement inspire la jeunesse et les acteurs économiques africains. Nous aimons bien commencer par cette pensée du chef de l'État qui vraiment tient à l'environnement des affaires en Côte d'Ivoire et qui dit ceci, les réformes entreprises dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires commencent à porter leurs fruits et se traduisent par la confiance des investisseurs nationaux et étrangers. La Côte d'Ivoire est devenue une des économies les plus attractives en Afrique. Quelle est notre ambition? L'ambition de l'État, c'est faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020, avec le secteur privé comme pilier de la croissance économique. Ça veut tout simplement dire que la Côte d'Ivoire, pour son développement, compte s'appuyer sur le secteur privé à hauteur de 62% selon les chiffres du plan national de développement. Nous avons un plan national de développement qui a été chiffré à 42 milliards d'euros, dont 29 milliards, soit 62% qui sont réservés au secteur privé. Je dirais que vous avez 5 bonnes raisons d'investir au Burkina Faso. La première, il y a une vision, un plan de développement plébiscité par les populations et la communauté internationale qui est le Programme national de développement économique et social. Un cadre macroéconomique sain et des perspectives de croissance économique forte de 6 à 8%, je vous ai rappelé les chiffres tout à l'heure. Un marché non saturé, des opportunités d'affaires inexploitées dans tous les domaines, dans un climat des affaires favorable et garantissant un retour sur investissement. Une position géographique stratégique qui constitue une base idéale pour ouvrir la région de l'Afrique de l'Ouest. Peut-être nous sommes les seuls à avoir 5 ports. Et c'est la terre des hommes intègres et travailleurs. C'est tout pour ce spécial Africalia d'aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain pour d'autres échos du 5e forum Africalia, un forum qui, selon ses organisateurs, se déroulera l'année prochaine en Côte d'Ivoire. Très bonne suite de programme sur la RTB et à demain.